en termes de la faune sauvage qui fait partie de la diversité biologique, la RDC est classée 5e mondiale. Nous avons des espèces endémiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Au niveau de la population, nous sommes en train de les encadrer pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent utiliser la faune sauvage en bon escient. Il y a des espèces interdites à la chasse, interdites à la consommation, mais il y a d'autres espèces, on peut y accéder avec des périodes autorisées de chasse, pas lorsque il y a la période où les animaux doivent se reproduire et on ne peut pas aussi tuer un animal qui est en train encore de sévrer. Nous avons des problèmes des groupes armés contrôlés des terroristes. La population a du mal à accéder, par exemple, à la faune sauvage qui est autorisée pour la consommation. Nous avons aussi des problèmes de braconnage. Il y a la déforestation qui fait en sorte que certaines familles où l'habitat déjà des animaux est détruit, les animaux viennent vers le village. Vous avez des familles entières des éléphants qui viennent détruire les champs de la population. Vous avez aussi, avec le problème des changements climatiques, où il y a des inondations, lorsque les lits de la rivière s'élargit, les hippopotames qui quittent les rivières et le fleuve qui viennent aussi vers la population. Alors, sur le plan normatif, nous avons d'abord la Constitution. La Constitution qui protège dans son ensemble l'environnement, mais il y a des lois particulières qui concernent la gestion de la faune sauvage et autres qui nécessitent des réformes. Parce qu'il y a des lois qui sont devenues totalement obsolètes, qui ne répondent plus à la donne actuelle, aux engagements que nous avons pris tant au niveau national, régional qu'international. Alors, sur le plan normatif, la loi portant protection de l'environnement a été modifiée, amendée dans le sens de lui donner et d'intégrer les données nouvelles liées au climat. Il faut absolument que nous puissions réformer cet arsenal juridique. Alors là, c'est très important. Cette plateforme nous a aidés à travailler cette fois-ci de manière formelle. Un atelier au mois de mars, ça nous a permis à rassembler toutes les lois, environ 126 textes légaux et réglementaires que nous sommes en train de compiler, essayer de les actualiser par rapport à la nouvelle donne de la protection. Et cette plateforme aussi nous permettra d'accompagner en termes de mise en œuvre de la loi tout ce qu'il y a comme suivi et le tout en tenant compte du nouveau cadre mondial sur la diversité biologique. La RDC s'y est vraiment impliquée. Nous avons aussi récemment travaillé sur la stratégie de la protection de la biodiversité dans les aires non protégées parce que nous en avons déjà dans les aires protégées. Comme ça, la République va posséder un tout en termes de stratégie pour la mise en œuvre des différents cadres juridiques qui régissent ces domaines-là de la faune sauvage, de la diversité biologique, de l'environnement dans son ensemble.